pouce là. Ah oui. What? Mais... c'est n'importe quoi. Mais vous avez vu? Eh bien salut à tous les amis, c'est Virtuos, j'espère vraiment que vous avez la patate. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve sur GTA 5 PC dans la mission Star ou Tokar. Alors c'est un abonné qui m'a proposé ce test. Le test est le suivant: dans cette mission, Michael et Trevor vont à la Maze Bank Arena afin de pouvoir y trouver Tracy et Laszlo, si je dis pas de bêtises. Et le test qu'on m'a proposé, c'est de voir ce que font vraiment Tracy et le présentateur télé dans l'arena Maze Bank avant que la cinématique ne commence. Donc j'espère vraiment que ce petit test va vous plaire. Comme je l'ai dit, s'il vous plaît, n'hésitez vraiment pas à lâcher un petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir, et à me donner bien évidemment des idées de tests à faire dans l'espace commentaire en stipulant à chaque fois le nom de la mission bien évidemment. Alors du coup, ce que la mission a déjà commencé, on va directement aller à la Maze Bank Arena. Je vais juste en profiter pour le trajet pour remercier GFX Crash qui m'a fait une magnifique bannière et un tout nouveau logo. Donc je vous invite à aller directement sur ma chaîne afin de pouvoir voir la nouvelle bannière et de voir le nouveau logo. La bannière est un peu particulière, elle est un petit peu dans le thème scientifique, test, etc. Parce que je fais un petit peu que ça sur ma chaîne maintenant, hein, parce que voilà, ça a un peu changé des informations. Mais vu que je fais que ça, il fallait quand même une bannière qui allait avoir un petit peu un gros rapport avec le thème de ma chaîne, c'est-à-dire des tests scientifiques, etc. D'où le fait qu'il y ait des fioles, des tanks, une manette pour stipuler le jeu vidéo, de la terre, etc. Enfin bref, j'espère vraiment que ça vous plaît, que vous aimez bien. N'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Et du coup voilà, bon écoutez, on va commencer directement cette mission. On va voir ce qui se passe à l'intérieur. On va voir ce que le présentateur et Tracy font. Si c'est le cas, s'ils font quelque chose, à votre avis, que font-ils? Est-ce qu'ils sont en train de parler? Est-ce qu'ils sont vraiment là? Est-ce qu'ils ont disparu? Dites-moi ce que vous en pensez. Nous, on va directement passer avec ça parce que là, normalement, il y a une cinématique. Et après la cinématique, je ne peux plus rien contrôler. Donc, si je dis pas de bêtises, il va falloir les trouver. Où sont-ils? Oula, attendez, faut pas que je m'éloigne de trop. Hop là, donc les portes sont là. Est-ce que je peux aller à l'intérieur? Je ne peux pas aller à l'intérieur, what the fuck? What else? Ah, c'est bon, c'est par ici, je crois. Hop, non, je peux pas aller. What the fuck? Donc normalement, si je dis pas de bêtises, ils descendent ici. Ah bah voilà, ils descendent là. Non, ils vont aller là, voilà, c'est ici. Il n'y a personne pour l'instant, il n'y a personne. Où est Tracy? Là, il y a un personnage, là un autre personnage. Là, il n'y a personne, là il n'y a personne, personne du tout. Même ici, il n'y a absolument personne. On peut voir que c'est en pause qu'il y a des personnes sur le bureau, mais dans la scène, il n'y a vraiment personne, quoi. Il n'y a personne, personne, personne. Bon, je suis en train de me répéter depuis tout à l'heure, mais il n'y a vraiment personne. Si je vais là, je peux pas y aller. Ici, il y a des personnes qui attendent pour sûrement passer à l'audition. Audition in progress. Silence, please. Ok, donc là, il y a des auditions, mais il n'y a personne. Il n'y a personne. Pourquoi il n'y a personne? Et si je passe la cinématique avec notre petit Michael, c'est-à-dire comme ça. Hop là. Donc là, il y a la petite cinématique avec Michael and Trevor. Oh yeah. Ok, donc on va laisser la petite cinématique pour voir. Donc là, il y a bonjour monsieur, puis-je connaître où est Tracy? Trevor qui perd pas du tout son sang-froid. Trevor, il a aucun. Voilà, c'est notre petit Trevor, quoi. Il laisse rien passer. Ah, bah d'un seul coup, il y a du monde, il y a des caméramans, etc. Tracy, elle doit être à l'intérieur. Est-ce que je peux me balader? Non, je ne peux absolument pas me balader. Ah, bah voilà, là, il y a des personnes. Là, il y a Laszlo. Si je dis pas de bêtises. Donc là, les auditions ont bel et bien commencé. Il y a vraiment quelqu'un. Alors que tout à l'heure, quand on y a été, il y avait vraiment personne. Tracy, elle est là par contre. Tracy, elle est là, elle a pas bougé. Voilà, Tracy est là, tranquillement, posément. Donc elle va faire sa petite scène. Je me souviens plus du tout de ce qu'elle fait. Là, il y a Michael, bien évidemment, qui est pas trop content. Trevor aussi. Très fort. Enfin bref, c'est assez spécial. Bon, écoutez, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Là, il y a Laszlo. Ah, Michael. Trevor. Oh yeah, deux papas, super. Ok, donc là, on va regarder ce qui se passe, voir pourquoi pas suivre la
la cinématique après et voir où va aller notre petit Tracy. Ce que va faire Tracy après. Peut-être que Tracy va faire quelque chose, ou peut-être pas, on va voir. Parce que normalement, dans la mission, il me semble bien qu'on suit Laszlo pour pouvoir le tuer, si je dis pas de bêtises. Donc on va suivre notre petite Tracy cette fois-ci. C'est complètement... Oh là là, appelez Malaise TV les amis. C'est du grand n'importe quoi, sérieux. Michael, il est pas content du tout, hein. Ah, oh, mais pas du tout, du tout, du tout. Oh là là. Oh, ça va être censuré sur YouTube, ça. Oh, je le sens, là, y a les gens, ils vont pas être contents du tout, ça va être complètement censuré. Voilà, il y a Michael qui commence à s'énerver. Voilà, donc là, il appelle la sécurité. Trevor qui est avec une chaise derrière. C'est n'importe quoi. Ok, donc il y a Tracy qui est par terre, les animateurs qui sont derrière. Attendez, on va voir qu'est-ce qu'elle va faire, Tracy. Tracy, elle reste là. Tracy, elle est agenouillée, elle est en position fœtale. La Tracy, elle est pas bien. Par contre, les présentateurs ont vraiment disparu, ont despawn. Est-ce qu'il y a toujours personne ici? Il y a toujours personne. Les écrans sont restés figés. Mais Tracy ne fait absolument rien. Tracy reste figée en mode PLS là. Ah merde, la mission a échoué. Laszlo s'est enfui. Ah merde. Attendez, on va voir ce qu'on peut faire avec notre petit Laszlo. Je pense qu'il y a moyen de faire un truc assez sympa. Bon, écoutez, Tracy ne fait absolument rien. Attendez, je vais quand même revérifier si elle est toujours là. Ouais, elle est toujours en mode PLS. Ça ne change absolument pas. On va suivre notre petit Laszlo. Hop là, c'est parti. Allez hop, Trevor court. Les présentateurs, bah, le public là qui est là n'a absolument pas bougé. Normalement, on va prendre le camion. Hop là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de lui foncer dessus. On va essayer de lui foncer dessus pour voir si on peut arrêter la voiture. Parce que normalement, on doit être censé la suivre. Puisqu'à chaque fois, à mon avis, il va y avoir un speed boost. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de percuter sa voiture, quitte à la détruire, pour voir ce qui va se passer. Ça pourrait être sympa. Allez hop, c'est parti. Dans 3, 2, 1, on va. Oh non, je peux pas là. Ah! Attendez, je vais utiliser le speed boost là. Ah oui! What? Mais. C'est n'importe quoi! Mais vous avez vu? Mais vous avez vu ça? J'ai complètement foncé dans la voiture. La voiture, elle a emmené le camion. Et la voiture, elle est partie. Voilà, tranquillement, posément. C'est normal ceci? C'est normal, les amis? Je ne crois pas. Attendez, on va essayer là. Là, dans le coin, boum! Mais what? Mais c'est sérieux? C'est quoi cette voiture? C'est quoi cette voiture? Je veux la même. Je veux la même. Je veux la même voiture. Regardez, elle est endommagée. Là. Et je peux même pas la percuter. Quand je la percute, ça fait des dégâts sur la voiture. Moi, ça m'envoie un petit peu valser, mais à lui, ça lui fait absolument rien. Attendez, on va réessayer encore un coup. Hop là. Mais non, mais regardez-moi ça! Je peux absolument rien faire sur la voiture. Oh! Oh là là, c'est quoi ce beans? Il y a bien moyen de... Ah! Le virage! Il y a bien moyen de faire quelque chose, je sais pas moi. Attendez, nous on va prendre un petit raccourci. On l'a toujours en visu. Oh bah c'est parfait en plus, il prend les rails. Hop là. Mais regardez! Je peux absolument rien faire, je peux pas le percuter comme si Rockstar avait tout prévu. Pourquoi il y a un train là? What the fuck? Là. Oui! Mais non! Mais. Où est-ce qu'il va aller? Où est-ce qu'il va aller? J'espère qu'il va aller à un endroit concret. Comme ça, on va pouvoir le suivre encore plus que sur la mission. Parce que là, je peux pas l'arrêter. Hein. Je peux vraiment pas l'arrêter. Je peux absolument rien faire. J'ai beau lui foncer dessus, ça ne change absolument rien. C'est du grand n'importe quoi. Arrête-toi! Arrête-toi, bordel! Et si jamais je prends de côté? Genre comme ça. Non. Je peux pas. Oh putain de merde. Ah, il m'a mis un truc. J'ai rien compris à ma vie. Attendez. Non, pas la remorque. Mais non. Putain. Il m'a mis un truc. J'ai absolument rien capté. Les amis, vous me connaissez, j'abandonne jamais. Donc du coup, on va aller jusqu'au bout. On va aller jusqu'au bout. On va voir s'il y a vraiment moyen de l'arrêter et de le suivre. Bon, ça va, je recommence pas au début. Et autre avantage, c'est que j'ai pas la remorque. Attendez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de le suivre comme ça. Putain, je vais le perdre. Je vais le perdre, je vais le perdre, je vais le perdre. On va essayer de le suivre comme ça, encore avec le mode libre. Pour voir si ça fait quelque chose. Hop là. C'est beaucoup plus simple de le suivre comme ça. Donc là, il va tourner. Ok, il n'y a pas de souci. On va reprendre ici. Comme ça, on va essayer de l'arrêter. Là, je vais pas me faire avoir parce qu'il y a le gros virage bien serré qu'il prend. Hop. Ok, c'est bon.
Il ralentit un petit peu quand même. Ah non, c'est moi qui ralentis. C'est moi qui ralentis. Ah non, c'est bon. J'ai cru que le camion était cassé. Il me semble pas que dans cette mission le camion casse. Il me semble qu'il se passe autre chose et du coup je le perds de vue. Il me semble, si je dis pas de bêtises. Mon PC n'assume pas du tout. Où est-ce qu'il va aller là? Ah oui, là on l'a bien. Ah oui! Ah oui! Est-ce que c'est nous qui l'avons envoyé là-dedans ou il y est parti tout seul? Ah non, il est parti tout seul là-bas! Ah, à un moment, je vous jure, j'y ai cru. J'y ai cru à un moment qu'on allait. Qu'on l'avait envoyé en fait. Ah, il va aller dans la flotte. Ah merde, je pouvais pas continuer. Ok, donc là, il s'arrête. Écoutez, écoutez. Bon, la voiture, elle est cassée, mais elle n'était pas censée être cassée. Je voulais rien faire, je faisais sauter cette gamine sur mes genoux et j'ai juré devant Dieu d'étriper tous les fils de pute. Ok, d'accord. Donc c'est un petit peu violent. Là, Trevor ne supporte pas ce qui s'est passé. Donc qu'est-ce qui va se passer là avec Laszlo? À mon avis, ils vont le laisser partir. Je suis obligé de laisser la cinématique parce que si je passe la cinématique, la mission va être finie et je pourrais pas voir ce qui se passe. Et du coup, je pourrais pas éventuellement poursuivre dans quelque chose. Parce que sinon, après, ça va me ramener sur le mode libre de GTA V, puisque le jeu, je l'ai terminé à 100%. Voilà pourquoi je saute pas la cinématique, parce que c'est un peu chiant. Bon, allez, Michael. Éclate-lui sa gueule. Allez, Michael. Allez, tape-le, là. Tape-le, fais-lui quelque chose. Ah non, Trevor lui demande de baisser son froc. Ah, il va prendre une photo. Mais non, mais Trevor. Mais fais pas ça, Trevor. Mais non, Trevor, t'es pas comme ça. Ça me rappelle un petit peu une scène où il avait demandé à Trevor de baisser le froc à quelqu'un qui avait... Enfin, Trevor avait baissé son froc, etc. Le mec, il était pas bien, là, dans la maison. Je me rappelle de cette mission qui a été censurée au Japon, d'ailleurs. C'est n'importe quoi. Bon, écoutez, je vais quand même passer la mission. Michael revient ici et a priori, bah, il n'y a pas moyen de pouvoir suivre notre petit Laszlo. Donc voilà, c'est tout pour cette mission. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura fait plaisir. On a essayé de faire plusieurs tests en une seule vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous avez plusieurs tests à me faire faire, même si c'est des petits tests ridicules, je peux faire une petite compilation de ces tests pour qu'on puisse faire plusieurs tests les uns après les autres. Par exemple, on m'a proposé de voir ce que le psy faisait pendant qu'il n'avait pas Michael chez lui, etc. Donc si ça vous intéresse, vous me le dites. Je fais une petite compilation avec ça et un autre test. Comme ça, ça fait au moins 5-6 minutes de vidéo. Parce que si je fais un truc chez le psy, ça va durer 2 minutes. Et forcément, 2 minutes, c'est pas un temps assez honorable pour une vidéo de test. Et du coup, voilà. Bon, voilà les amis, j'espère en tout cas que cette petite vidéo de test vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, vous n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu, me le dire dans l'espace commentaire, vous abonner à ma chaîne si vous êtes nouveau ou nouvelle. Et nous, on se dit à la prochaine. Allez, bye tout le monde.